Charlie 6, ici Echo 7. La première phase d'évacuation a commencé. Quel est votre TAE? Ici Charlie 6, à l'ouest de l'objectif. On approche du checkpoint. C'était rien. Reçu, Charlie. Alerte. Activité ennemie relevée à l'ouest de l'objectif. Rejoindre l'opération défensive à Central Station. Rallier l'extérieur de la gare. Capte du mouvement. Secteur engagé. Engagé. Tir allié, halte au feu. Cessez-le-feu. Cessez-le-feu. J'observe le dégagement en pression. C'est dans cette P2 qui est en dehors. Nous, on reste ici. Merci pour le coup de main. Bonne chance. On a besoin d'aide par ici! Le génie terrestre a placé des tonnes d'explosifs dans le bâtiment Onyx pour le faire sauter et bloquer les tirs de partie des ennemis! Mais le système de déroulage est bloqué! Faut que je le fasse attirer et activer! Les cerfs arrivent! Y a pas une minute à perdre! Approche-toi, on t'envoie du renfort et du lourd. Esprit pour combinaison, c'est pas de manière. Hey, raccourez.
Camouflage activé.
Barclay, à toutes les unités du terminus. L'évacuation commence immédiatement depuis les quais du niveau inférieur. Équipe médicale, rendez-vous sur place. Abandonnez le matériel et escortez les blessés. Compagnie Bravo, supervisez l'opération. Je veux un détachement armé posté sur chaque train. Compagnie Alpha et Echo, interdisez les niveaux supérieurs et le périmètre de la station jusqu'à la fin de l'évacuation principale. Rapidité et efficacité, messieurs. On ne laisse personne en plan. Localiser le colonel Barclay. Restez où vous êtes. Baissez votre arme. Identifiez-vous. Arrêtez. Arrêtez. C'est un marine. Le docteur Gould dit que c'est Alcatraz. Gould? Cette pauvre tâche, qu'est-ce qu'il y connaît? Et c'est le passé. Non, il y a vraiment un mec là-dedans. T'as pas bonne mine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le colonel Barclay t'attend. Suis-moi. Oh putain! Il y a rien à faire. Il va y avoir un moyen. Putain! Parle pas des absents, connard! Laissez-moi monter la rejoindre! Vous entendez? Restez tranquille. Ah, c'est bon. Contentez-vous de me donner une arme. C'est me défendre. Quand ça pètera, vous aurez besoin de tous les hommes valides pour vous en tirer. Désolé. Mais puisque vous avez été reclassé, on doit vous désarmer à vue. Eh, hey, j'étais un des vôtres avant ça. 9 ans dans l'US Army. Tout comme vous, les gars. Restez tranquille. Je suis un marine. Vous, je sais pas, mais vous avez quitté l'armée. Vous n'avez plus de privilèges. Ok, c'est bon. Docteur Gould, j'apprécie l'aide que vous nous avez fournie, mais c'est une opération militaire, je vous le rappelle. Vous êtes un civil. La loi martiale. La loi martiale, oui. Si la situation vous plaît, tant content mieux. De te revoir, mais vous mec. Ne m'écoutez pas, colonel. Nous devons. Alcatraz, tu as réussi. Bienvenue parmi nous, Marine. Mes hommes ne tarissent pas d'éloges. En fait, la plupart ont même peur de toi. C'est pas un simple troufion qu'on envoie au casse-pipe. Il faut qu'on... Il est sous mon commandement. On aura besoin d'un maximum d'hommes pour protéger cette zone jusqu'à l'évacuation. Docteur Gould, ce sera tout. Merci. J'ai planifié votre évacuation par le train avec le reste des civils. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Colonel, vous ne comprenez pas. Jack Hargreaves peut répondre à toutes nos questions. Il faut faire un raid immédiat sur Roosevelt. D'après ce que nous savons, Hargreaves est déjà mort. À priorité, c'est l'évacuation. Attendez, vous allez me lâcher, oui? Désolé, Docteur Gould. On a d'autres chats à fouetter. Chino, amène-le au train. Oui, chef. Venez, Doc. Faut y aller. Alcatraz, avec moi. Ton ami Gould s'est pointé en disant avoir faussé compagnie à Tara Strickland. Mon cul. Tara Strickland, c'était la crème des Navy Seals avant qu'elle pète un fusible.
J'imagine qu'elle l'a laissé filer. Mais pourquoi elle ferait ça? Regarde tous ces gens. J'ai grandi dans cette ville. Chacun d'eux pourrait être de ma famille. Et si tout se termine de la même façon qu'à Linshan? Bordel! Y a rien qui marche ici. J'étais à Linshan. J'ai vu Strickland mourir. Quand Tara l'a su, elle a... craqué. Poisson. Drogue. Et pour finir, renvoi de l'armée. Son père doit se retourner dans sa tombe. Et maintenant, la voilà dans la SMP de Hargreave. Martinez! Qu'est-ce que c'est? Chef, ils entrent dans le grand hall! Nous n'avons plus beaucoup de temps. Martinez! Va sur les quais annoncer à Dickerson de faire partir le premier train. On ne peut plus attendre. Poste de tir. Grand hall. Montez donner un répit aux civils. Allez, par ici, vite!
Barclay, ici Alpha 2. On est dans le hall. Demandons évacuation immédiate. Tenez bon, Alpha. Les secours arrivent. On a de la musique. Sortez-vous de là. Barclay, à tous les Marines encore à poste en centre-ville. Le site d'évacuation secondaire est transféré à Times Square. Nous procéderons à l'extraction avant de transport blindé à Dave. L'interdiction de survol sur Manhattan a été levée le temps de l'opération. Rien à craindre du côté de l'Air Force. Mais notre fenêtre d'intervention est étroite, messieurs. Rejoignez Times Square aussi vite que possible. Le périmètre sera défendu pendant encore 15 minutes. Après quoi, vous serez livré à vous-même.